Bonjour Liu Fang, le président chinois Xi Jinping arrivera dans un instant. Où vous êtes situé maintenant et quelle est la situation sur place? Bonjour Chidan, je me trouve au centre culturel de Hong Kong. C'est ici que l'on peut admirer le port Victoria. Et aujourd'hui, il fait très beau. La température dépasse les 30 degrés. Et l'avion transportant le président chinois Xi Jinping arrivera bientôt à Hong Kong. Un accueil de haut niveau est organisé pour l'occasion. La nouvelle chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, Madame Carrie Lam, ainsi que sa délégation se rendra à l'aéroport pour accueillir le président chinois. L'agenda du président Xi sera très chargé à Hong Kong pour sa première visite en tant que président chinois. Durant cette visite de 3 jours, de jeudi à samedi, il inspectera la garnison de l'armée populaire de libération à Hong Kong. Il rencontrera également des représentants hongkongais issus de différents milieux. Et demain soir, un grand gala de célébration aura lieu au centre de congrès et d'exposition de Hong Kong qui se trouve juste derrière moi et juste en face de la mer. Et pour le 1er juillet, jour du 20e anniversaire du retour de Hong Kong à la Chine, marque également l'inauguration du 5e gouvernement régional de la RAS de Hong Kong qui aura lieu au centre de congrès et d'exposition. De la cérémonie d'inauguration, les membres du 5e gouvernement de la RAS de Hong Kong prêteront serment. Et le président chinois Xi Jinping prononcera un discours à la fin de la cérémonie qui retiendra l'attention de tout le monde. Durant la soirée, il y aura de fantastiques feux d'artifice qui seront lancés depuis le port Victoria où je me trouve actuellement. Ça sera vraiment un grand jour pour Hong Kong. Voilà les informations que j'ai pu recueillir pour l'instant. À vous, Chidan. Merci beaucoup, Liu Fang.